Aujourd'hui nous sommes là pour commémorer nos camarades, notre frontière socialiste, mais aussi pour dénoncer les attaques barbares de l'aviation turque contre les positions du PKK. Je vois un mouché d'un chalaché. Je vois un mouchement, un militant du barbare de terre. Ölenler dövüşerek öldü. Tek hoşuna gel la. La situation est très claire. 31 camarades ont été massacrés à Suruç par l'État islamique qui a bénéficié de la complicité de l'État turc. Nous le savons tous. Ce qui est notable, ce qui doit nous marquer, c'est ce qui s'est passé depuis cet attentat. Qu'est-ce qui s'est passé? L'État turc a fait une intervention policière. Mais qui a été visé par cette intervention policière? Ce sont été les militants du HDP et de ses organisations frères. Ce sont été les militants du mouvement kurde, des militants de gauche radicale. Hier encore, 250 personnes ont été arrêtées. L'écrasante majorité sont des militants kurdes, des militants révolutionnaires. Une militante révolutionnaire a été tuée hier, chez elle, par la police d'Erdogan. Voilà la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé encore il y a 24 heures? L'armée turque a bombardé les camps des forces kurdes. Voilà la vérité. Ce que recherche le gouvernement turc aujourd'hui, c'est une guerre civile. C'est une guerre civile qui a pour objet de détruire les avancées démocratiques en Turquie. Et qu'est-ce qu'on a aussi constaté? C'est que François Hollande, le président de la République française, a félicité Erdogan pour, je cite, son engagement courageux contre le terrorisme. De quel engagement s'agit-il? L'engagement d'Erdogan n'est que la répression du mouvement kurde, du mouvement démocratique et du mouvement de classe en Turquie. Voilà où nous en sommes. Alors aujourd'hui, le gouvernement d'Erdogan semble faire quelle illusion en ouvrant sa base militaire à la coalition, en faisant semblant de combattre Daesh. Mais nous connaissons tous la vérité. La vérité, c'est que le combat qu'il veut mener, le combat principal qu'il veut mener, c'est contre les forces démocratiques, les forces de classe et le mouvement kurde en Turquie. Eh bien, personne ne doit être dupe de cela et nous devons continuer à renforcer le mouvement de solidarité avec la Turquie pour la démocratisation, avec le peuple kurde, aussi bien en Turquie qu'en Syrie, et pour la protection du Rojava. Merci à tous. Tayyip Erdoğan diktatörlüğünün tabii ki dilenmez. Parti olarak emperyalist.